Bon, moi et mon partner, on a décidé de flipper Best and Finest, notre entreprise événementielle. On commence à offrir des services de party. Donc, des week-ends organisés, des parties d'anniversaire privés, des bachelor parties. Et aujourd'hui, pour lancer ça, on amène quatre de nos bons chums vivre une journée de rêve. Ils se doutent de rien, à part qu'ils doivent nous rencontrer à 10h du matin au Crown Barbershop pour un déjeuner avec mimosa et coupe de cheveux. Le reste, jusqu'à 2-3h du matin, est 100% rempli de mystère. Ça devrait être pas bien. Hey, filme-moi pas, je suis pas peigné. Ma vie va pas, ben je vais voir. Bon matin. Tout le monde est bang over, c'est dimanche matin, on s'en attendait. On va combattre le feu par le feu. Excuse mon gars. Serais-tu dû pour une barbe? Parce que là, ça me pique dans le cou, là. C'est la première fois de ma vie, je fais ça. C'est quoi, moustache? Ben, ça, là. Ah, c'est pas filmé, ouais. Non, mais pas faire la barbe. C'est un beau feeling. Ouais. C'est une petite douceur, tu sais, c'est... Yes, man. Moi, c'est tout le temps cette distance-là, moi, que je veux, hein. Plus proche encore. Alors, mets-toi ici, là, on va se sentir bien de la journée, là. Ça va être fou, raide, frérot. Ça va être fou, raide. Woody a pris de l'énergie, il a mangé 3-4 sandwichs, il est prêt, là. Hey, ça fait une heure et demie que je vous attends, les boys. Commençons! Let's go, on commence. C'est bon. Bon, les messieurs, on arrive bientôt. Donc, on va juste. Ah, t'es sérieux, man? Ça, c'est mes vieux comrags! Dégueulasse! Bon, donc, les gars ont aucune idée d'où on les a amenés. On est présentement en campagne et grâce à mon cousin, on a accès à toutes ces belles armes-là. Déjà, là, je marche mal. Là, tu me fais bouger. Ok, tu te mires de la main? Ouais. Ouais. Ok, vous enlevez les bandeaux. Go! Mais je l'enlève pas. Oh! Shit! C'est normal, c'est stressant! Ça peut-tu tirer tout seul, ça, Chris? Pensez, guys, c'est gracieuseté ici. De... Mon cousin, man, c'est toutes ses armes à lui. C'est lui qui nous invite ici, qui s'occupe de nous. Il va vous expliquer comment ça marche. Je t'ai dit tout à l'heure. C'est mon bon profil en plus, t'es chanceux. C'est la première fois que je vais tirer du gun. J'ai peur que le ricochet va faire. Oh shit! Hey, c'était fou! Tabarnak! Alright, troisième stop, on est chez Sport de Combat. On s'en vient faire du lancer de la hache et de la Rage Cage avec les boys et on a même un petit permis d'alcool. Fait que Wild va pouvoir se saouler. Hey, ça va être malade, man! Un peu de plastique à péter, puis on dirait tous des animaux. Hein. Ouais. Comprends la technique, les flots. Mais voilà. Bois du gaz, ça! Bois du gaz! D'où qu'il sort, lui? Les gars. Oh, bouge. Oui. Je veux-tu avoir ton permis, s'il te plaît? Ouais, c'est une raison pourquoi. Cette voiture a l'air suspecte. Ben voyons. S'il te plaît, plus vite. Veux-tu voir le monde en arrière? Ouvre les portes, s'il te plaît. Oui, on sort. Okay. Bonjour. Tu sais que t'as pas le droit? Ben, elle est fermée. C'est dans une limousine, monsieur. Ok. Toi, sors du champ. C'est dans une limousine. Je m'en calisse. Toi, tu sors. Tu n'as pas le droit. Tu laisses ça? Ouais. Okay, j'ai pas le choix de l'amener avec moi. Voyons. Tu l'amènes au poste, il n'y a pas le droit. Ouais. Je m'en calisse. On va vous recontacter, M. Ward. J'ai pas le choix, il est suspect. What the fuck, man? On a le droit d'avoir une bouteille ouverte, là, il était fermé, là.
T'as le droit d'avoir une bouteille ouverte. Ouais, mais on laisse pas là. Mais y avait-tu un char? C'est ça, ouais, parc toi, je vais essayer de contacter tantôt. Ils vont pas l'amener, il est pas emprisonné là. C'est sûr qu'il l'amène. Je pense qu'il l'amène au poste. Ouais. Non, mais là, il est menotté, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Menotté pour quel calice de raison, même? Il dit, j'ai pas le temps. Il dit, j'ai pas le temps, faut que j'y aille. On est dans une limo dorée, il y avait une bouteille ouverte, you know, mais... Ah, mais on peut pas le laisser là-bas. Ben non, on le laisse pas là, là. What? Il y avait une police passée, il s'est caché pour pas passer devant, yes, pour pas avoir de problème. Quand on a retourné le coin, elle nous attendait, mais pas dans le char, on l'a pas vu venir. J'ai jamais vu un policier prime de même de ma vie, mais faut pas que je me ramasse une journée avec eux autres, si que ça fasse ça, je me fais jamais... J'ai jamais été arrêté de toute ma vie, maintenant. Il va peut-être pas répondre, il répond pas. En tout? Bro, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te laisser partir? Ben là, j'espère qu'ils vont le laisser partir. Non, ils l'amènent pas au poste. Ben ils l'amènent pas au poste. Ok, on va le reprendre. Quoi avec moi? Y'a-tu mon nom mentionné? Wark, es-tu dans la merde? Y'a-tu parlé d'animaux? Non? Le plan, c'est Ganto, il dit qu'il va être correct. J'espère que c'est vrai. Là. Il a pas fini de parler avec les policiers. Nous, on amène les boys pour une autre surprise, puis on espère. Non, on laisse pas. Il s'en vient, il dit inquiétez-vous okay. pas. On continue le plan, il dit je m'en viens vous rejoindre, j'ai texté où qu'on s'en va. On continue? Non, man. Ah, c'est bizarre! Cette voiture a l'air suspecte. Je m'en calisse! Bro, ça avait pas de sens, c'est comme ça. Non, there is no fucking way! Ah, ma blague est sale! Je me sens capable d'avoir cru à tout ça, tu comprends? Le prank de la fausse police a marché à perfection. Tout le monde y a cru. Quand t'es arrivé ici, la police était là avec les bouteilles, c'était la folie. Là, on se fait un petit party privé. Et après, ça continue. On s'en va aux danseurs, on s'en va dans des clubs. Gros soir. On a trop invité le monde dans notre party privée, fait qu'il a fallu appeler notre limo. On a appelé notre boy Frank. On s'en va tous maintenant à la 7e destination, je ne sais plus. Let's go! Ok, journée complètement incroyable. C'est terminé avec une folle soirée au Kingdom, mon pote. On amène présentement nos amis dans un petit after privé signé Best & Finest, mais malheureusement, on peut pas amener la caméra. Si vous voulez des journées d'activité, des soirées de sortie, des bachelor parties, des parties d'anniversaire, vous savez qui appeler. Let's go, guys! C'est pas de Cette voiture a l'air suspecte.